Vous venez de vous offrir un Raspberry Pi tout neuf et vous ne savez pas quoi en faire, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons passer en revue les différentes distributions disponibles en 2020 et voir quels en sont les usages. C'est parti et commençons d'abord par une distribution qui n'en est pas une, elle commence bien cette vidéo. Noobs est disponible sur le site officiel du Raspberry Pi et comme son nom l'indique, il s'adresse aux débutants. Noobs est en fait un installeur. Il va vous laisser choisir entre plusieurs distributions et l'installer à votre place sans connaissance technique. L'image de Noobs est téléchargeable en version classique contenant déjà quelques distributions et en version light sans aucune distribution. Ces deux versions permettent de se connecter à votre réseau filaire ou Wi-Fi afin de télécharger les dernières images en date. Un simple clic et votre distribution est prête à l'emploi, à condition que celle-ci fasse partie de la liste officielle. Si vous cherchez une distribution exotique, il y a de grandes chances que celle-ci ne soit pas proposée. Et maintenant, la distribution officielle, Raspberry Pi OS, basée sur un Linux Debian. Elle est elle aussi disponible sur le site de Raspberry Pi et est déclinée en trois versions. La version complète avec le bureau et les principales applications recommandées telles que OpenOffice, des logiciels de dessin, de développement, des jeux, etc. La version un peu plus light, hein, toujours avec le bureau mais sans les logiciels recommandés. Et enfin la version vraiment light, uniquement en ligne de commande, sans interface graphique. Cette dernière version est à réserver aux développeurs et aux bidouilleurs en herbe. L'installation de toutes ces versions se fait comme d'habitude en téléchargeant l'image et en la copiant sur une carte SD à l'aide du logiciel Balena Etcher, par exemple. Il est à noter que le site Raspberry Pi propose un outil nommé Raspberry Pi Imager qui permet de copier ces images directement sur une carte SD en faisant le téléchargement et la copie en un seul logiciel à votre place. La version la plus complète de Raspberry Pi OS propose les mêmes services que sous Windows, distillés au sein d'un environnement de travail qui ne dépaysera pas les utilisateurs de la firme d'Albuquerque. Dans le détail, on trouve, dans le menu programmation, des éditeurs de code, dont certains spécialisés pour le Java, Mathematica pour le calcul ou la représentation graphique de formules, Mu pour créer du Python facilement, Scratch ou Wolfram pour apprendre la programmation très simplement, un émulateur du SenseAt que je vous avais présenté dans la vidéo sur les ports GPIO du Pi et Sonic Pi pour créer de la musique par programmation. Dans le menu éducation, on retrouve SmartSIM qui permet de créer ou designer des circuits imprimés. Dans le menu bureautique, la suite OpenOffice au grand complet. Dans le menu internet, un client mail, le navigateur Chromium qui est la version allégée de Google Chrome et un client VNC pour prendre la main à distance sur un autre ordinateur. Le lecteur VLC répond aussi à l'appel dans le menu son et vidéo. Le menu graphisme est assez pauvre avec un simple visionneur d'image. J'aurais aimé que GIMP soit installé par défaut mais rien ne vous empêche de le faire par la suite. Le menu jeu qui est généralement la première chose que l'on teste. Le menu accessoires contient une calculatrice et quelques outils système indispensables comme un terminal, un explorateur de fichiers, un lecteur PDF, etc. Le menu Help contient Bookshelf, l'étagère en français, qui est une nouveauté de mai 2020. À elle seule, cette application mérite l'installation de Raspberry Pi OS. Elle contient gratuitement tous les magazines MacPi, un certain nombre de livres très intéressants sur la programmation ou l'utilisation du Raspberry Pi, et tous les numéros de Hackspace et de Wireframe. Enfin, le menu Préférences vous permettra de personnaliser votre Pi aux petits oignons. Bref, tous les utilisateurs de Raspberry Pi se doivent au moins une fois d'installer Raspberry Pi OS pour en exploiter tous les aspects. Concurrent direct de Raspberry Pi OS, Ubuntu Mate est l'autre distribution Linux utilisable par un novice comme un utilisateur expérimenté sans s'arracher les cheveux. Les solutions logicielles diffèrent un peu, mais là encore, tout le monde y retrouvera ses marques. Passons maintenant aux distributions dédiées Media Center avec OSMC pour Open Source Media Center et LibreELEC, lui aussi open source. Ces distributions sont basées sur un noyau Linux allégé pour gagner en performance et sur Kodi pour l'interface que les plus anciens connaissent sûrement. Elles sont destinées à être installées sur un Raspberry Pi qui trônera fièrement sous la télé et qui remplacera avantageusement les lecteurs audio et vidéo. Tous les formats du marché sont pris en charge et l'expérience utilisateur est vraiment fluide. La communauté supportant ces projets étant très large, il existe un vaste choix de skins et d'addons permettant de personnaliser l'interface au goût de chacun. Passons maintenant à Windows. Quoi On peut installer Windows sur un Raspberry Pi Eh bien oui et non. Deux versions de Windows ont été développées par Microsoft. La première est Windows 10 IoT Core. IoT veut dire Internet of Things, l'Internet des objets en français. C'est une version qui peut être dépourvue d'interface graphique et qui est très allégée permettant de l'installer sur des machines à faible ressource avec ou sans écran. Elle possède son propre magasin d'applications, surtout dédié à l'industrie, et ne comptez pas installer un exécutable classique sur ces machines, ils ne sont pas compatibles. La seconde version de Windows est Windows 10 ARM. C'est la déclinaison du Windows qui équipe vos ordinateurs de bureau mais pour processeurs à jeu d'instruction ARM au lieu de x86. On se rapproche beaucoup plus sur cette version de l'expérience utilisateur classique avec ses fenêtres et son magasin d'applications. Toutefois, il y a encore beaucoup de limitations à l'utilisation de Windows 10 sur un Raspberry Pi. Tout d'abord, oubliez son installation sur un modèle 3. C'est beaucoup trop lent car le processeur est utilisé à 100% et la RAM est totalement saturée. Sur un Raspberry Pi 4 avec 8 Go c'est beaucoup plus fluide. Seconde limitation, le magasin d'applications. Comme je viens de le dire, le Raspberry Pi est un matériel à base de jeux d'instructions ARM. Donc, toutes les applications compilées pour Windows 32 ou 64 bits ne fonctionneront pas. Les seules applications qui pourront fonctionner sont les Universal Windows Platform Apps, ou UWP, qui sont encore très rares. On peut imaginer que le gain de puissance des Raspberry Pi dans le temps rendra l'utilisation de Windows possible, mais leurs prix atteindront alors son un PC d'entrée de gamme et cela perdra tout intérêt. Bien, attardons nous maintenant sur les OS dédiés au jeu. Trois d'entre eux se distinguent particulièrement, il s'agit de Recallbox, Retropie et Laka. Soyons chauvins et commençons par le petit français, Recallbox. C'est un système basé sur une distribution GNU Linux avec comme interface d'émulation Emulation Station. Il est très proche de Retropie qui utilise la même interface mais qui est par contre basé sur un noyau de Raspberry Pi OS Lite. Pour avoir intensivement utilisé ces deux distributions, je peux vous dire que cette différence de noyau est très importante. Voici deux exemples qui font que je préfère Retropie. Premièrement, à l'heure où j'écris cette vidéo, Recallbox ne supporte toujours pas le Raspberry Pi 4, alors qu'il est en train de devenir un must-have de l'émulation. Retropie le supporte depuis des mois. Et deuxièmement, beaucoup de périphériques ne sont pas reconnus dans Recallbox, alors qu'ils le sont dans Retropie. Je ne parle pas ici de contrôleurs de jeu, mais de cartes sonores externes ou de matériel un peu exotique. La philosophie de l'AK est un peu différente, cette distribution utilise cette fois-ci l'interface de RetroArch et non celle de Emulation Station. Le rendu est très propre et fait beaucoup penser à l'interface des consoles de Sony comme la PS3 ou la PSP. L'AK est basé sur Librelec dont nous avons parlé un peu plus tôt dans cette vidéo, ce qui lui permet d'avoir un noyau assez léger et donc performant. Cet avantage est aussi un inconvénient car comme avec Recallbox tous les matériels ne seront pas supportés sur ce noyau allégé. Le second problème de la c'est qu'il se cantonne à RetroArch, alors que le RetroPie et Recallbox utilisent RetroArch pour émuler certains jeux et d'autres émulateurs lorsqu'ils ont de meilleures performances. Il est à noter toutefois que cette distribution supporte nativement le Raspberry Pi 4 depuis sa sortie. Voilà pour ce petit tour d'horizon des principales distributions actuellement disponibles sur le Raspberry Pi. Évidemment, il en existe d'autres plus ou moins exotiques, comme Arc Linux, Pidora, Russian Fedora, Body Linux, Alpine Linux, etc., etc., mais ils répondent à des besoins très spécifiques et sont généralement moins bien suivis en termes de développement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous pourrez maintenant exploiter pleinement les capacités de votre Pi tout neuf. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.